Idem ki kogi la zo nam la gambi jo zangye jo nene nam la gambi jo nape che nam la gambi jo pape gwe nu nam la gambi jo bao kadro je gong zo me zo ye che ki che tang ne ma nam la gambi jo oh balon lama nam nam la gambi jo idem ki kogi la zo nam la gambi jo. J'ai découvert petit à petit hein, au cours des années, et je découvre encore quoi. C'est... Les premiers objets sont des objets quoi. Qu'on achète comme ça, quoi, au cours d'un voyage, quoi. Les souvenirs de voyage, quoi, ça commence comme ça. C'était l'attraction visuelle, hein, véritablement. Hein. L'attraction visuelle, mais j'ai toujours acheté des objets qui posaient une interrogation. La beauté, quelque chose de caché, quelque chose d'intouchable, hein, quelque chose qui... il faut que l'objet vous pose des questions, quoi, vous interroge. Dans le cas du Tibet, qui a une histoire très mouvementée du fait des années 60, les Chinois, etc. Donc, ça m'a fait comprendre que cette collection devait rester un tout, hein, de ce que je mets dans le livre. Et c'est pour ça que je l'ai donné à une fondation, hein, pour qu'elle reste, qu'elle ne se disperse plus. Hein. Parce que le Tibet, c'est spécial. Hein. C'est quand même une civilisation qui a transmis des choses qui viennent de la nuit des temps, hein, qui étaient en Inde, il y a le chamanisme, il y a des choses qui sont encore vivantes. Et qui ne sont plus vivantes dans le reste du monde. Hein. Le premier contact avec un objet est essentiel. Si vous avez une mauvaise impression au départ, ben, il ne faut pas suivre. Puis si vous avez une bonne impression, puis que vous hésitez, vous pouvez hésiter un peu, vous réfléchissez le soir, faut prendre quand même du temps pour prendre la décision d'acheter. Hein. C'est quand même un investissement, c'est quand même une responsabilité qu'on prend. Hein. Les marchands vous proposent des objets, vous devez les refuser ou les accepter, quoi. Mais une collection se fait par le nombre d'objets que vous avez refusés, en fait, hein. Pas ceux que vous avez acceptés, parce qu'il faut refuser beaucoup de choses pour tomber sur un bel objet, quoi. La base même de la collection, c'est deux marchands, en fait. Ah. Ouais. Et qui vous ont suivi pendant combien de... Qui m'ont suivi pendant 30 ans, hein. Ouais. Donc, on a discuté beaucoup, j'ai pas toujours pris ce qu'ils m'ont offert, hein. Mais il y a une évolution, chacun apporte quand même sa part, son... Chacun est différent, donc chacun a ses sensibilités différentes. Et c'est très intéressant, en fait. Le marchand aussi a l'amour des beaux objets, quoi. Hein, donc, c'est toujours pour lui un crève-cœur, souvent, même s'il veut vendre. Hein, si c'est vraiment un marchand sensible. Et pour celui qui achète, il y a la dépense, monnaie, hein, l'argent qu'il faut payer, mais il y a aussi le grand plaisir d'avoir un objet extraordinaire. C'était pas encore vraiment spirituel, c'était l'attraction visuelle, véritablement. J'étais pas encore en relation avec le bouddhisme, donc c'était plutôt l'hindouisme, ou le shivaïsme, je connaissais rien, quoi. J'ai découvert petit à petit, hein, au cours des années, et je découvre encore, quoi. Et quand j'étais au Ladakh en 85, j'ai switché sur l'Himalaya et sur le bouddhisme, l'Himalaya. Le bouddhisme vous change complètement, hein. Vous arrivez à contrôler vos émotions, hein. Vous arrivez à vous mettre à la place de l'autre. Hein. Donc, vous n'êtes plus complètement
enfermés sur vous, narcissiques. Enfin, vous voyez les choses différemment. Hein. Donc vous arrivez à comprendre quand même un certain nombre de choses, peu à peu, mais c'est un travail quotidien, hein, c'est un travail de chaque minute en fait. Hein. Et vous devez vivre l'instant hein, dans le bouddhisme. Donc vous devez savoir, il ne faut pas faire machinalement les choses. Hein, faut pas, si vous faites machinalement les choses, vous perdez les choses, vous ne savez plus ce que vous avez fait 2 minutes avant. Enfin, donc, il faut essayer d'être conscient de façon permanente de vos faits et gestes. Hein, donc, c'est pour ça que l'Inde est vraiment la racine de beaucoup de choses. Hein. Et le bouddhisme vient de l'Inde, hein, c'est clair. C'est la relation avec le Shiva et les forces de la nature sont là. Quoi. Donc, les gens s'intéressent. Et ce musée n'est pas seulement un musée, donc c'est quand même un lieu de méditation et de recherche sur soi-même. Hein. Donc, les gens comprennent qu'il y a quelque chose, il y a une étincelle spirituelle dans cet endroit. Encore? Ha ha ha.